je sais que c'est magnifique. Là, on a un palmier qui est très très haut. Des palmiers qui sont très 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 hauts. Il fait très chaud. Ah, regardez la plus belle, la princesse Romane. Alors effectivement, on est blanc, mais on sera très noir, je pense. Voilà. Et là, vous avez Romane qui court devant, court et qui vole. Où vole-je? On va aller lui prendre des tongs. Voilà. Et là, je ne vous dis pas les kilomètres qu'on fait. Alors, peut-être que j'arriverai à perdre un peu de poids. Oh là! Oh, regardez ce... Oh, non, mais regardez ce palmier, quoi. C'est magnifique. Il y a des palmiers gigantesques. Regardez ce beau ciel. Regardez ce beau ciel. Regardez, vous voulez des petites noix de coco? C'est des noix de coco. C'est-à-dire que si vous... Je pense. Si vous en tombez une sur la tête, ça fait balle. Je vais essayer de pas me mettre dessous, parce que déjà que je tombe, s'il manquerait plus que je me prenne 15 noix de coco sur la tronche. Hey, voilà. Oui, bon, donc on est dans la réception, la salle de wifi, et ben, tout le monde est connecté. On va remonter dans les chambres, enfin dans notre chambre avec Romane, pour vider mon sac à dos et garder le minimum pour la baignade. Et puis après, ben, on va se la couler douce, quoi. Et la seule chose qu'on a à penser, c'est bouffer. Ce qui veut dire que je vais prendre quand même peut-être 120 kilos. Je ne sais même pas si on m'acceptera dans la vie. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Je filmerai la piscine, la plage, et puis la salle de restaurant à midi, ce soir. Voilà. J'aurai tout filmé. Vous verrez ce que c'est. On est un petit peu fatigué. Vu le décalage horaire de 6 heures. Quoi, hein. Bah, là, j'ai des lunettes de soleil, mais en fait, j'ai les yeux fermés. Je dors derrière mes lunettes. Allez, à plus. Là, j'ai les pieds dans l'eau. Non, vous ne me verrez pas en maillot de bain, je suis beaucoup trop grosse. Vous me verrez peut-être dans l'eau quand je serai là. Et vu ce que je vois de la mer. Il faut se tartiner de crème, moi qui n'en mets jamais. Là, il faut se protéger parce que sinon, on brûle. Elle est super bonne. Normalement, elle est à 24, je crois. J'avais dit, je ne sais plus exactement. Mais enfin, bon, c'est un bain, quoi. C'est génial. Je ne vois plus mamie, elle a disparu. Allez, là. La piscine de l'hôtel avec son petit jacuzzi au milieu. Romane et Jeanne, dans la piscine. C'est tombé. En fait, vu qu'il n'y a pas Léa, je l'ai remplacée pour faire...
chaussettes. Et ben, le Y, je l'ai fait. Je suis tombée sur le cul. Direct sur le sol. Ah, voilà le dauphin derrière. Hey! Ouais! Et regarde, il y a un dauphin derrière toi. Faites-moi un câlin. Oh, non, la noix pas. Câlin. Non, non, sors là, sors là. Elles sont folles. Elle veut noyer sa sœur, en fait. Hein. Ne la noie pas. Hein. Je vous présente Muriel Hermine. Notre dauphin, là, qui nage mieux sous l'eau que sur l'eau. En fait, elle pourrait être championne d'apnée, elle, Jeanne. Et Romane, danse, nage. Fais-moi l'ambiance. Ben oui, j'arrive pas à vous prendre ensemble. Je vous vois pas ensemble. Ah, voilà. Regardez-les, ces deux. Elle a pris quand même un coup de soleil, Romane. Hein. Voilà, voilà, voilà. Mais regardez-la, Romane. Eh ben, mon vieux. Jeanne, je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire. Je pense qu'elle essaie de Non, en fait, elle fait quoi? Du pole dance? Allez, vas-y, fais-nous du pole dance, Jeanne. Sensualité. Oblige. Au revoir les filles et au revoir les filles. Au revoir. Yeah. Donc voilà comment on passe nos journées. Alors là, nous avons la star Jeanne avec son magazine. Qu'est-ce qu'elle lit? Alors c'est Andy Princess. Yeah. Regardez les belles lunettes qu'elle a. On dirait une star. Et là-bas, pour une fois, je filmerai ma fille, je m'en fous, c'est ma fille. Donc, on est là, au soleil, et on est où? Au bord de la piscine. Oh, puis alors, regardez, elle est pour nous toute seule. Oui, moi, j'ai été me baigner encore tout à l'heure, j'ai nagé, et là, il n'y a pas un chat dedans. C'est top, quoi. Mais du coup, on s'est mis à l'ombre sous le joli... Ils sont quoi, ces parasols? Raffia? Non, c'est des trucs de palmier. Ah oui! Ouah, c'est vrai! Alors, voilà, c'est ça, c'est des feuilles de palmier. C'est génial, je me demandais en quoi ils étaient tout à l'heure. Ah, alors regardez, on est sous un parasol. Et là, c'est vraiment le paradis. Hein, ma Jeannette, est-ce que tu es contente d'être à Punta Cana? Oui? Non, donc ben, on repart demain. Voilà, vous voulez savoir ce qu'on a mangé à midi? Alors, de la pizza, parce qu'il y a un coin snack, et comme on n'avait pas envie, hein Jeanne, on n'avait pas envie de s'emmerder. Donc on a mangé... T'as mangé quoi, toi, chérie? Des frites? Du poulet. Du poulet, ouais. De la pizza. De la pizza, ouais. Et avant, j'ai mangé des frites. Et avant, on a mangé des frites. Donc, on n'avait pas du tout envie d'aller au restaurant. Donc, on s'est fait le coin snack qui doit se trouver, ben, je ne sais pas où. Bon, enfin, bref, par là, hein, parce qu'il y en a partout des trucs. Et nous, c'est, je sais pas, c'est Look Voyage, voilà. Et donc, moi, à midi, j'ai mangé un hamburger que je me suis préparé, qu'on a passé au grill. Après, j'ai mangé des frites et puis on a bu. Et personnellement, avec la chaleur qu'il fait, j'ai pas tellement, tellement faim. Mais là, par contre, on va s'en aller deux secondes. On va se mettre s'attabler. Hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller boire un coup. Parce que c'est pareil, c'est à volonté, on peut boire toute la journée si on veut. On a des boissons à volonté, gratos. Regardez, Jeanne dort, hein, presque, avec son livre, elle fait celle qui lit. Voilà, elle dort pas, donc elle a bien nagé. Et donc, on va aller boire un coup, et puis on va se mettre, se poser, et puis on reviendra. On reviendra tranquillement au bord de la piscine. Et par contre, on est quand même fatigué là. On ressent un petit peu le décalage horaire quand même. On est fatigué. Enfin, c'est pas tant le décalage horaire, je pense, qu'on ressent. Hein. C'est surtout le voyage d'hier. Hein. C'était vraiment, si vous voulez venir à Punta Cana, et si vous partez du centre de la France, eh ben, écoutez, préparez-vous à
passé des heures et 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 des heures de vol, de voiture, de bus. À pied, non. Quoi que si, dans l'hôtel, on marche énormément parce que c'est quand même très grand. Voilà. Oh, il y a un drapeau. Oh, mais il y a un drapeau français. Un balcon. Mais oui. Alors, il parle espagnol, là, il faut le savoir. Donc, écoutez, moi, je capte rien parce que entre tous ces étrangers qui ne parlent pas un mot de français, eh ben, moi, j'ai perdu tout l'anglais que j'avais. Donc, je n'arrive même pas à me faire comprendre, quoi. À part yes, no, people et quoi. Please, thank you. Goodbye, connard. Ah non, ça c'est pas anglais, ça, connard. C'est... voilà, bon, bah écoutez, on va aller boire un coup. Hein. Mais regardez la star dans son fauteuil colonial. Alors je tiens à préciser que je ne rentre plus en France. Je reste à Punta Cana jusqu'à la fin de mon jour. Il y a un Français qui vient me chercher là, donc je trouve un Français. Et je passe ma vie ici. Voilà, ça il faut le savoir. Donc, et à la vôtre, hein. Vous aimeriez être à ma place? Vous êtes jalouse? Allez, la prochaine fois on part ensemble à Punta Cana. Ciao, ciao. Voilà notre superbe Jeanne qui s'est fait faire des nattes. C'est magnifique, sur la plage de Punta Cana. Et ça tient, elle les a fait faire quand, ma chérie? Il y a 3 jours. Ouais, avant-hier. Voilà, donc ça va, t'es contente de tes vacances? Ouais. Et est-ce que tu as bien nagé? Ouais, mais tu nages bien sous l'eau. Hein. Bon. Mais là, l'eau, elle est froide. Ouais, aujourd'hui, il y a du vent, donc l'eau est froide un peu. Mais enfin, ce qu'on appelle froid chez ici à Punta Cana, c'est brûlant en France, quoi, hein, ma chérie. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien? Tu veux dire au revoir aux gens? Au revoir les gens! Et comment on dit au revoir en espagnol? Adios! Amigos! Ciao! Voilà un petit Wistiti vers la piscine. Oh non, mais il est tellement... Je vais le prendre, il est trop beau. Oh, qu'il est mignon, mais c'est tellement joli. Vas-y, caresse-le. Il mord pas, hein. Non, non, moi j'adore. Bon, je peux le... Oh, super! Oh là 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 là, qu'il est mignon. Viens! Viens! Il vient sur moi. Oh là, qu'il est beau. Alors là, c'est un cours de bachata au bord de la piscine. Non, je n'irai pas danser. J'aurais pu, mais j'ai pas envie. Je préfère filmer. Je vous fais un petit coucou. Nous sommes dimanche, donc on est au bord de la piscine. Donc là, je viens de vous montrer les cours de danse. Non, je ne vais pas danser. Non, 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 je bronze. Donc là, il est donc... quelle heure il est? 11h, Alexandrine. En France, il est quelle heure? 5h15. 5h15 du mat? Plus 6h. Non, 17h. Donc il est midi ici, non mais il est midi, 11h, il est 17h15 en France. Donc je vous fais un gros bisou, ben de, voilà, du soleil. Ça va, j'espère que vous allez bien. Vous devez avoir beau temps, non? J'espère. Je vous donne des tonnes de bisous.